qui grève le cours du MP. Allô? Allô? Ok. Je disais qu'il y a pour compléter Diabaté sur cette question. Et dans le MP, effectivement, il y a certains qui font que la question de contractualisation et de vérification, ça devient un peu plus cher. Alors que, comme il a dit, s'il y a des structures pérennes de l'État qui peuvent jouer certains rôles, il est beaucoup plus indiqué, effectivement, de s'adosser à ces structures-là. Non seulement c'est leur mission classique, mais également ça contribue effectivement à réduire un temps soit peu certains frais d'approche. C'est vrai qu'on sera tout le temps avec les partenaires, mais il est important, comme il a dit, de réfléchir sur ces aspects-là qui font un peu la pérennité donc, du FDR. Merci bien. Merci Diabaté pour la réponse. Prochaine question. La troisième question. Que faire en cas de conflit d'intérêts entre prestataires et vérificateurs? Ok. Ok, bon, moi je pense par rapport à ça là, normalement, les dispositions doivent être mises en place pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts. Parce que comme on dit, c'est le contrat qui lie les gens. Chacun s'inscrit dans son rôle. Et maintenant, il y a des évaluations qui sont faites, des vérifications qui sont faites, qui peuvent mettre à déceler ces aspects et les mises en place. Donc, c'est la raison pour laquelle les principes, j'insiste sur les principes du FBR, il faut qu'il y ait la séparation des différentes fonctions et que vraiment chacun soit autonome dans ses tâches. Il faut pas qu'il y ait un lien en dehors du contrat qui unit les gens. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est ce qui permet d'éviter les conflits d'intérêts. Donc, en tout cas, la meilleure des choses, là, c'est de faire de telle sorte qu'il faut respecter le maximum que possible les principes du FBR. Si on l'applique, on a les chances de le faire. Mais maintenant, si on ne l'applique pas et qu'on les décèle, on les discute, on les met à plat et on échange, on dit voilà, il y a tel conflit d'intérêt, si ça continue comme ça, ça peut mettre en branle tout le système. Parce qu'une fois, comme on le dit là, le FBR, c'est quelque chose qui prône la qualité, rien que la qualité. Une fois, il y a conflit d'intérêt, on ne peut plus parler de qualité. Donc, vraiment, pour moi, il ne faut même pas qu'on arrive à ça si on faut vraiment s'accrocher à l'application des principes. Ça nous éviterait d'arriver là. Mais si ça arrive, ça veut dire que dans les systèmes là, pour le corriger très rapidement. Là, comme on l'a dit, rien n'est parfait. On va essayer de voir. C'est pour là qu'on met tous ces systèmes. Et à ce moment-ci, à ça, ça peut conduire à pénaliser. En tout cas, voilà un peu. En tout cas, il faut respecter de façon rigoureuse les principes de séparation des fonctions du FBR. Voilà. Docteur Traoré. C'est juste, hein, c'est là. Effectivement, en cas de conflit d'intérêt entre, d'abord, il ne devrait pas avoir de conflit d'intérêt entre prestataire et vérificateur s'il respecte en principe la question de séparation. La première des choses, c'est la séparation des fonctions. Donc, si on sépare les fonctions, ça réduit effectivement les risques de conflit d'intérêt. Mais comme vous l'avez dit, vous l'avez constaté lors de la formation, on a fait des exercices. Hein, n'est-ce pas? Quels étaient, par exemple, les risques ou bien les opportunités qu'il y avait à faire vérifier, par exemple, les résultats des CSCOM
par les équipes cadres des districts. Et on avait essayé de demander aux gens quels peuvent être les inconvénients, quels peuvent être les avantages, en tout cas, oui, les opportunités, mais aussi quelles peuvent être les mesures d'atténuation par rapport à ces risques-là. Donc, au niveau des différents groupes, les gens ont donné, en tout cas, beaucoup d'informations, comme l'a dit Jabaté, concernant ces différents facteurs. Et dans le contexte du Mali, notre option, et il y a les équipes de vérification qui passent. En principe, ces équipes-là ne devraient pas avoir d'acquaintance. Le seul point, par exemple, qu'on a dit, si on prend l'équipe cadre de district et l'équipe du CSCOM, bon, peut-être qu'on s'est dit, le CSCOM, l'équipe cadre de district étant un peu comptable, les résultats du CSCOM peut-être pourraient être amenés peut-être à être un peu indulgents. Un peu indulgent. Et ça, vraiment, on a vu que avec la bonne explication et les différents suivis, et en principe également, ces facteurs peuvent être minimisés. Comme l'a dit Mais quand il y a vraiment pas de choses, il y a aussi des sanctions qui peuvent être suivies. Allô? Voilà, il y a quelques bruits en dessous. Donc, je disais qu'en cas de problème qui persiste. Mais là, la question aussi que je veux poser, le plan en pro, c'est nous qui avions fait. Qui vous a envoyé le plan en pro de Mali? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Pour le ministère. Ah, oui, c'est l'idée. OK. Maintenant, pour en ce qui concerne le ministère de la Santé, qui vous envoie? C'est le même PSN qui vous envoie ou bien c'est une personne qui vous envoie? Ceux qui parlent là, est-ce que vous pouvez vraiment parler pour tout le monde? Parce qu'on n'entend pas, nous en tout cas, on n'entend pas tellement. Alors, on n'entend pas. On n'entend pas. Ah, on n'a pas entendu. Hein. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Il n'y en a pas de son. Déjà, c'est extraordinaire. Déjà, je souhaiterais être associé à... Voilà, merci tout le monde. Merci docteur Diabaté pour la présentation. Les indicateurs, comme il a dit, les indicateurs de qualité à vérifier. Au niveau que ce soit les indicateurs de qualité et de quantité, au niveau des FOSA, quand la contre-vérification est faite par la CTN, c'est une contribution que je veux faire, la CTN valide. Les comptes de vérification faits par les ACV, les agents contractuels recrutés par la CANAM,
La contre-vérification est faite par la CITEM. Je vous remercie. Allô? Voilà, je voulais clarifier quelque chose là. Jusqu'à présent, au Mali, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est toujours la vérification. Il n'y a pas de contre-vérification pour le moment. Ils ont dit, selon leur schéma, là, ils parlent d'évaluation, ils parlent de vérification. Mais tout ça, là, c'est les vérifications qu'ils sont en train de faire. Tout de suite, dans mon schéma, là, j'ai clarifié. Les vérifications, là, c'est les contrôles qu'on fait pour voir si les choses ont été appliquées, on paye les gens. Maintenant, la contre-vérification, là, c'est après avoir payé les factures. On va vérifier, on va contrôler même les contrôleurs. C'est ça, la contre-vérification. Les ACV ou autres CTN, tous ceux qui ont passé là, ce qu'ils ont retenu là, il y a un bureau indépendant qui va passer après pour s'assurer que les paiements qu'ils ont autorisés là ont été faits dans les règles de l'art. C'est ça, la contre-vérification. Tout ce que vous êtes en train de faire, les suivis trimestriels que vous faites et la CV, voilà, tout ça là, c'est la vérification. Tout ça, c'est la vérification. Maintenant, la contre-vérification là, c'est quand on va autoriser les paiements. On a payé les choses, on a présenté les factures, donc les ACV ont trouvé que c'est correct, on va payer. Une fois payé maintenant là, quelqu'un va passer après tout ça, la contrôler. C'est ça la contre-vérification. Donc, actuellement, je crois que même ce matin, avant de commencer, j'ai beaucoup échangé avec les gens de du PACSU là, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Actuellement, si on ne connaît pas les principes de FVR, ça donne l'impression comme si les ACV vérifient et que la CTN fait la contribution. Tout ça, ça c'est la vérification. La contre-vérification, là, c'est après paiement des factures. On va s'assurer vraiment de la qualité aussi, c'est pour les paiements qui ont été autorisés. Voilà. Merci, docteur Diakité, pour la contribution. Donc, je tenais à apporter cette clarification. Merci, docteur Traoré. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des ajouts, des commentaires? Ok. C'était les questions qu'on avait recensées. Ok. Bon, aussi, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, dans les discussions antérieures, il avait été question que nous puissions s'assurer aussi, après les formations, qu'est-ce que nous avons eu à les faire. La fois dernière, là, on avait dit qu'il y avait une présentation qu'on devrait faire à l'endroit du directeur général de la santé pour pouvoir les partager. Effectivement, cela a eu. Il y a docteur Kone qui a préparé une présentation et que nous avons réuni tous les sous-directeurs, y compris les directeurs, que nous avons fait une session de partage des informations, parce qu'il y a des questions. Le directeur lui-même, le nouveau directeur, voulait comprendre les FBR, ses principes et comment ils peuvent adhérer et en tout cas aussi faire la promotion du FBR. Là, il a bien eu lieu et que vraiment, ça s'est très bien passé. Mais toujours est-il dit qu'il est question, en tout cas, il serait très important que le directeur lui-même arrive à participer à une session de formation pour pouvoir assimiler tous les contours afin d'être aussi notre porte-parole par rapport à la France du FBR et à la pérennité du FBR. Aussi, en tant que par rapport aux activités toujours prévues, présentement, il y a la session de formation des régions et du niveau central par rapport au FBR que le PACSU a organisé. Je pense présentement, même docteur Kone
est l'un des facilitateurs aussi de cette session de formation. Donc, c'est pour dire que, en tout cas, depuis après, je crois, les formations, je vois les uns et les autres de son côté, chacun en train de faire son mieux pour pouvoir continuer avec la sensibilisation, les plaidoyers, pour vraiment que nous puissions aller dans le sens vraiment de la pérennité du FBR et l'adaptation du FBR au contexte vraiment du pays. Voilà ce que je voulais ajouter, Dr. Traoré. Ok. Merci beaucoup, Dr. Diabaté, pour ces clarifications et surtout ces informations. Donc, nous comprenons qu'un briefing a été fait donc, au nouveau directeur général et qui n'a pas eu malheureusement pu prendre part à la formation et que c'était important aussi d'envisager une formation pour lui. En tout cas, merci de ces informations. S'il y a d'autres, je ne sais pas s'il y a des commentaires, s'il y a d'autres éléments, parce qu'il avait été aussi demandé aux gens après avoir fait la formation, si par rapport à vos expériences personnelles de mise en œuvre, peut-être pour ceux qui sont dans le système, et donc de partager aussi ces expériences-là au cours de ces sessions de coaching. Ok. Il y a des voix, mais on n'entend pas tellement. Ok. Docteur Kanté et docteur Omra, est-ce que vous pouvez partager ce que vous dites parce qu'on n'entend pas trop? Non, Salim demandait par rapport au groupe. Parce qu'elle n'est pas. Parce qu'elle n'est pas dans le groupe, quoi. Elle n'est pas dans le groupe, quoi. Le groupe WhatsApp. Ok, il faut lui dire de laisser son numéro dans la discussion. Je vais le récupérer. Son numéro WhatsApp. Vous attendez? Donc, oui. Vous laissez votre numéro WhatsApp. Du coup, on va l'intégrer. Ok, merci. Ok. Je pense que, docteur Traoré, oui. On est en train de parfois, si devient l'organisation. Donc, je pense que ce serait bon que nous pouvons définir les thèmes qui seraient développés la prochaine fois et voir qui va développer et qui va le développer. On va remercier Dr. Diabaté pour avoir animé cette session sur l'aspect vérification. Merci beaucoup. À Diabaté. Maintenant, pour les prochaines étapes, donc la prochaine session, est-ce qu'il y a des pratiques qu'on pourrait appeler qui éventuellement si la prochaine session. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient qu'on aborde une thématique spécifique pour la prochaine fois? Hein? Sinon, on pourra... Est-ce qu'il y a des volontaires qui voudraient me présenter quelque chose pour la prochaine session? Bon, moi, je pense que moi, je vais proposer un truc là. Ouais. Bon,
qui a l'air banal, c'est-à-dire de parler un tout petit peu le plan de résultats. Le résultat et quelle est le contenu, l'importance du plan de résultats, parce que c'est important, parce que je me rappelle dans les discussions qu'on avait fait allusion au plan de résultats, le plan opérationnel. Donc, c'est bon que les gens puissent aussi cerner des plans de résultats, carrément faire ressortir la différence entre le plan de résultats ou bien la similitude entre les plans de résultats et les plans opérationnels classiques que nous faisons. Ça, c'est ma proposition. OK. Je pense que ça, c'est peut-être... je trouve que c'est une bonne thématique, ouais, parce que je me souviens que cette thématique, on l'a un peu plus développée au niveau... avec les formations du niveau opérationnel pour le Koro, mais un peu moins avec le niveau central à Jamsis. Je crois que ça, c'est important. Dao avait fait une présentation un peu plus approfondie sur ça lors des sessions de... sur la deuxième session de Koro. Je pense qu'on pourrait, retenir cette thématique et peut-être demander à quelqu'un, peut-être avec, comme Dao sera là aussi, proposer cette thématique si vous êtes d'accord. Oui. Oh. Maintenant, là, si il n'y a pas pour le mois de candidat, je vais me proposer toujours là. Mais s'il y a un volontaire, je le cède. Si, pour ne pas rester vacant, en tout cas pour le moment, s'il n'y a personne, moi je suis volontaire. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait. Si personne, je suis volontaire. Volontaire. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait s'associer ou bien en tout cas à Diabaté pour animer cette session? Oui. Donc, moi, je propose de m'associer à Dr Diabaté. OK. Bien. Yeah. Donc, Dr Diabaté plus Dr Kungara. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça, c'est le plan de résultats. Oui, je vais faire une proposition de présentation et soumettre. Mm-hmm. Oui. OK. Bien. Donc, je crois qu'on peut, aller avec ce qu'on va porter sur le plan de résultat qui va être animé par Dr. et en tout cas, il est 11h30. La fin, je pense que merci tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Oui, d'accord. OK.